Est-ce que vous vous posez les bonnes questions avant d'acheter un vêtement? C'est ce qu'on va voir. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Slow. Slow, c'est un nouveau format dans lequel on va parler de mode durable, éthique et éco-responsable et de comment mieux consommer la mode. Et pour ce premier épisode, on va parler de la méthode bisous. Il est grand temps d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. L'achat compulsif, ça arrive fréquemment et facilement parce qu'on est submergé encore et encore d'appels à consommer. Le problème avec les habits qu'on a achetés sur un coup de tête, c'est que très souvent, on finit par très peu les porter, voire pas du tout. Ils finissent au fin fond d'un placard, on les oublie, puis un jour on retombe dessus. On finit par les revendre, et bref, c'était ni bon pour le porte-monnaie, ni bon pour la planète, ça prend de la place pour rien, bref, c'était un achat inutile. Pour éviter les achats compulsifs, j'ai adopté et je vous recommande la méthode bisous. C'est un concept qui a été inventé par deux dames, je vous lis leur nom, c'est Marie Dubois-Lefebvre et Herveline Verdeken, et il repose sur 5 questions à se poser avant d'acheter une pièce. Bisous, c'est non seulement un mot très mignon, mais c'est aussi une bonne technique pour acheter moins et mieux, éviter les erreurs d'achat pendant une session shopping, et sur le long terme, ne pas accumuler de choses inutiles. Pour que mon exemple soit plus parlant, je vous ai sélectionné 3 pièces qui me font de l'œil pour cet automne, le cardigan Luciana de Bonne Gueule, une paire de bottines de la marque Aloas et une chemise Léopard que j'ai trouvée en seconde main sur Vinted. Première question, à quel besoin cet achat répond-il chez moi ? Parfois, on a passé une mauvaise journée, on a besoin de se mettre un peu de baume au cœur et machinalement, on va ouvrir une application, mettre des choses dans un panier et valider. En anglais, on appelle ça la retail thérapie. Clairement, la thérapie par le shopping. Voilà, ça va pas trop, donc je vais dépenser de l'argent pour aller un petit peu mieux. Spoiler, ça marche pas du tout, je l'ai fait beaucoup trop de fois et une paire de chaussures ne résoudra jamais vos problèmes. Tu sais, l'effet de sérotonine qui te monte au cerveau, il s'estompe très très rapidement. Et donc c'est inutile. Et en plus, après, t'as plus d'argent, donc t'as un double problème. Demandez-vous donc si cette session shopping, c'est pas pour rattraper une journée un petit peu nulle. Est-ce que vous avez pas ouvert une appli de shopping dans un moment où vous vous ennuyez? Est-ce que c'est pas juste une manière de vous mettre un petit peu de baume au cœur? Si la réponse est oui à ces questions, stop, on arrête tout. En revanche, si l'hiver arrive et que votre dernier pull chaud a été totalement dévoré par les mythes, bah ouais, ça se tient. Pour revenir aux 3 pièces que j'ai sélectionnées, à quel besoin est-ce qu'elles répondent? Eh ben, le cardigan, c'est parce que j'anticipe les températures automnales et hivernales. La paire de bottines, c'est parce que j'ai flingué ma dernière paire de bottines et il faut absolument que j'en ai une nouvelle. Donc celle-ci, elle colle plutôt bien à mes besoins. Et le chemisier léopard, j'admets que je suis tombée dessus en ouvrant l'application Vinted quand je m'ennuyais, donc je dirais que pour le moment, on peut pas cocher la case du besoin. Question numéro 2, dois-je acheter immédiatement ce vêtement? Est-ce que je dois me précipiter ou est-ce que je peux laisser passer une semaine, un mois ou encore plus avant de passer à l'achat? Alors oui, on peut acheter quelque chose tout de suite si par exemple on tombe sur une bonne affaire dans un vide-grenier qu'on ne peut absolument pas laisser passer, ou si on a prévu une randonnée dans la montagne et qu'on n'a absolument pas de chaussures de rando, si on a trouvé un vêtement, un jean par exemple, quelque chose qu'on met assez régulièrement et qu'on n'en a pas d'autres. Dans ces cas-là, il y a un côté d'immédiateté qui est assez compréhensible. Mais dans la majorité des cas, non, on peut attendre. Et si on laisse passer un petit peu de temps avant d'acheter quelque chose, on se rend compte que finalement, on n'en avait pas tant envie que ça et qu'on a failli dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on n'aurait finalement jamais porté. En ce qui concerne les 3 pièces qui me font envie, les 3 peuvent totalement attendre. Peut-être un petit peu moins le chemisier vu qu'il est sur une application de seconde main, mais dans l'ensemble, je peux totalement patienter. Question 3, n'ai-je pas déjà quelque chose de semblable dans mon dressing? Là, c'est vraiment la question où il faut être le plus honnête avec soi-même. Si on a déjà beaucoup de t-shirts rayés dans nos placards, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une énième marinière? Alors évidemment, il y a des pièces qu'on peut avoir en plusieurs exemplaires, je pense par exemple aux jeans. Vu qu'il y a des denims plus ou moins délavés, vu qu'il y a des coupes différentes, c'est pas incohérent d'en avoir plusieurs. Pareil pour les t-shirts basiques, blanc, gris, noir, on peut en avoir plusieurs, d'autant qu'on peut en avoir un en coton, un autre en lin, un plus loose, un plus moulant. Pour en revenir aux 3 pièces que j'ai sélectionnées, est-ce que j'ai des choses semblables dans mon dressing? Alors, les bottines, absolument pas. Le cardigan, j'ai d'autres cardigans dans d'autres couleurs, mais ce modèle-là, vraiment pas du tout. Quant au chemisier léopard, je pense que les images parlent d'elles-mêmes.
Look at my ex, feel like Serena went from the back. Question 4, quelle est l'origine de ce produit? C'est une question qu'il faut absolument se poser quand on est dans une démarche de mode responsable. Alors quand on est dans une boutique, c'est facile, on prend un vêtement, on le retourne et on lit l'étiquette. En ligne, c'est plus compliqué, mais quand une marque se veut durable, honnête et transparente, elle détaillera toutes les informations d'une pièce. La base, c'est au moins savoir où est-ce que le vêtement a été confectionné, et si on va un petit peu plus loin, parfois on a même les détails sur la provenance du tissu. Dans l'idéal, on fuit tous les pays où il est très difficile d'avoir de la traçabilité sur la manière dont a été fabriqué le vêtement. Je parle par exemple de la Chine, du Bangladesh, du Vietnam ou encore du Pakistan. Ce sont en plus des pays particulièrement connus pour créer des pièces de fast fashion, donc de la mode rapide, de la mode jetable, avec une qualité assez moindre, et donc forcément dans le temps, des vêtements qui ne vont pas du tout tenir la route. Alors, on fait le point. Les bottines, elles ont été fabriquées en Espagne. Le cardigan, il a été fabriqué en Italie. Et pour le chemisier vintage, il est en seconde main et son étiquette, elle a été coupée, donc impossible de savoir son origine. Question 5, cette pièce me sera-t-elle vraiment utile? Dans cette catégorie, il faut penser à la mise en situation du vêtement qu'on veut acheter dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on portera vraiment ce vêtement ou est-ce que c'est un habit ou une paire de chaussures ou un accessoire qui n'est pas du tout adapté à notre mode de vie et qui finalement finira au fin fond d'un placard? Par exemple, les chaussures à talons trop magnifiques mais qui sont en fait impraticables alors qu'on est une personne qui marche beaucoup, un manteau d'hiver qu'on achète pour avoir chaud et qui en fait est 100% polyester et qui tient absolument pas chaud, le petit crop top à sequins de soirée alors que tu passes tes soirées chez toi devant Netflix à manger des sushis. Ou alors un sac qui est tellement petit qu'on ne peut ni rentrer ses clés, ni sa carte bleue, ni son téléphone. Pour revenir une dernière fois sur les trois pièces de ma sélection, le cardigan, il tient chaud, il est bien fabriqué, j'en aurai besoin, il me sera vraiment utile quand les températures de Paris commenceront à atteindre les 0 degrés. Les bottines, elles ont l'air très confortables, le talon il est haut mais pas trop et surtout assez épais pour qu'elle soit pratique pour marcher. Et le chemisier vintage léopard, c'est une pièce avec un motif que j'aime porter, le chemisier j'en porte souvent, c'est a priori pas une pièce que je laisserai au fond de mon placard. Et voilà, j'espère que cette petite astuce mnémotechnique vous aidera dans votre chemin vers une consommation plus raisonnable et durable de la mode. On récapitule, B pour besoin, I pour immédiat, S pour semblable, O pour origine et U pour utile. De mon côté, j'abandonne l'idée d'acheter le chemisier, j'attends un petit peu pour le cardigan et par contre pour les bottines, je pense que je vais craquer très 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 bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Slow et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Bonne Gueule et je vous fais plein de bisous. Salut !